Il m'a demandé alors de quoi j'avais peur. Je lui ai parlé de ma sœur jumelle, la guerre civile qui a décimé mon pays. Il m'a dit « Raconte ». Alors j'ai raconté. Qu'il neige 1000 ans, sans arrêt, que ça bat tous les records de durée, d'accumulation et de merde, qu'il neige tellement que je puisse dire plus tard, avant la tempête, après la tempête, et tout le monde de mon âge saura quel neige pas. Il remonte dans sa voiture, je pousse. On est pris, ça décolle pas et il insiste, je force. Pousse, ça pousse. Ah, le Père Noël, j'ai tout son pot d'échappement qui me rentre dans la gueule. Pousse, ça pousse. Mais je pousse. T'as rien dans les bras, Chris. Pousse. Ah, faut faire quelque chose. Lui dire quelque chose que c'est pas sérieux ou pas grave. Ça finira par s'arranger puisque tôt ou tard le soleil viendra tout faire fondre. La neige, c'est pas la mort, ça reste pas pris autour des roues. Faut que je lui dise, moi, au Père Noël, que le temps passera et puis qu'il oubliera. Mes mains ne tiennent rien, elles sont crispées au fond de mes poches et j'avance, la tête baissée, le corps courbé dans les brusqueries et du vent contraire. J'aurais aimé qu'elle crève sans bruit. Crise cardiaque, ou thrombose, noyade ou accident d'auto, quelque chose de sec, de net, définitif, du premier coup, sans symptômes avant-coureurs. Ni traitement, ni chimio, ni radio, ni rien, ni merde, pas de temps qui passe. Peine le temps d'y rouler, faut être orgueilleux pour mourir d'un cancer. C'est long, c'est chiant, ça fait chier, je le sais. J'ai 10 ans. Pays de mon enfance. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit. L'homme avance toujours. Le chauffeur le supplie. Au nom de ta mère. Au nom de ta mère. Va te faire foutre, lui répond l'autre. Et il lui tire une balle dans la tête. Le chauffeur tombe sur le klaxon. On crie. Des hommes partout, mitraillettes entre les mains. Une femme veut sortir par la fenêtre. Trois longues rafales. Ta 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 ta. Super.